Qu'est-ce qu'on appelle bioéthique ? Bioéthique, c'est si vous voulez la science de la vie. C'est en fait la façon aujourd'hui pour la société d'organiser par la loi tout ce qui a trait à la vie et qui concerne plus exactement ce qui a trait à la procréation. C'est dire que dans le cadre des états généraux de la bioéthique, nous allons traiter essentiellement de tout ce qui a trait à la procréation et à la naissance, et que tous les débats relatifs, si vous voulez, à l'euthanasie, à la fin de vie, est exclu de ce débat, même si on peut penser naturellement que ce débat pourrait être inclus dans ce qu'on appelle la bioéthique. Mais pourquoi nous avons fait le choix parce que les premières lois de bioéthique 1994 puis 2004 ont fait ce choix. Et comme par ailleurs, il y a eu un débat assez intense sur la question de la fin de vie et d'euthanasie, et que celle-ci avait été, entre parenthèses, réglée d'une part par la loi Leonetti, nous n'avons pas cru bon de réinstaller ce débat sur l'euthanasie dans le cadre des lois de bioéthique. D'autant que, si vous voulez, les sujets sont complexes, qu'ils traitent de nombreux thèmes, le prélèvement d'organes, les cellules souches adultes, les cellules souches embryonnaires, les cellules souches de sang de cordon, la recherche sur l'embryon, tout ce qui a trait à l'assistance médicale à la procréation, et tout ce qui concerne ce qu'on appelle la médecine prédictive avec le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. Ce sont des sujets complexes qui nécessitent une information transparente, pour que les uns et les autres puissent se positionner sur ce débat, qui nécessite d'abord une information ouverte. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a voulu ces états généraux de la bioéthique. Oui, qui sont ouverts le 4 février, donc, qui sont ouverts le 4 février, et qui ont permis à l'ensemble des citoyens de s'informer, et qui vont donner lieu à Strasbourg, Marseille, Rennes, puis à Paris, à des débats pour conclure en juin ces états généraux qui ont été ouverts, comme vous l'avez dit, le 4 février. Et c'est dans ce cadre-là que certains prennent des initiatives, comme, par exemple, l'Alliance pour la vie, pour contribuer à ce débat. Et toutes les initiatives prises dans un lycée, par une association, etc., peuvent être connues sur le site des états généraux de la bioéthique. Ça manquait le dialogue sur le sujet, Tuc de Alderville. Ben, c'est vrai que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer à ce débat de société qui conditionne finalement notre avenir. Et il y a, je crois, un rééquilibrage. Bien sûr, le Parlement est souverain, c'est lui qui traite ces sujets. Mais jusqu'alors, on pouvait craindre que ce soit un sujet surtout discuté entre experts, du fait à la fois de sa complexité. Alors que nous le découvrons au fil de ces états généraux, il y a vraiment un engouement, un grand intérêt du public pour... Engouement ou inquiétude, parce qu'engouement, c'est. Ben, je dirais qu'il y a un peu les deux. Il y a une fascination quand même. C'est les frontières du savoir qui se dessinent. C'est des débats passionnants. Et puis effectivement, ils nous concernent tous très intimement. Et il ne peut pas s'agir simplement d'un intérêt, disons, intellectuel, parce que derrière ces sujets, il y a des souffrances très lourdes. La question de la fertilité, la question du handicap, de la maladie, de la souffrance, de la mort, sont des sujets qui sont très très intime, et nous essayons de trouver un équilibre entre l'écoute et l'accompagnement de ces souffrances, l'écoute des désirs très forts qui s'expriment, désir de donner la vie, d'être en bonne santé, d'être soigné, et puis les droits universels de l'être humain, de la personne humaine. C'est très difficile de trouver cet équilibre pour à la fois ne pas choquer, ne pas blesser davantage les personnes qui souffrent, et en même temps ne pas dire oui à tout au prétexte qu'il y a une souffrance derrière. Il faut savoir, bien sûr, limiter un certain nombre de pratiques de notre point de vue, et nous travaillons en ce sens. Pierre-Olivier Ardien, qui n'est pas encore intervenu, votre position et le point de vue de l'Église sur le sujet, c'était important d'ouvrir le dialogue et d'avoir la possibilité de s'exprimer.
Oui, tout à fait. Alors, souvent, ce qu'on rappelle dans les débats là, qui donc ne cessent de surgir partout en France et où l'Église est vraiment partie prenante, elle a parfaitement anticipé le rendez-vous. Hein. Ça fait déjà 2 ans qu'il y a un groupe de travail de bioéthique présidé par Mgr Dornelas pour la Conférence d'évêques de France, qui a vraiment préparé avec brio ce grand rendez-vous des États généraux. Il y a un livre qui est sorti, Bioéthique, propos pour un dialogue, et Jean Léonetti, qui est venu dans le diocèse, nous disait que ce livre était remarquable. Donc il y a l'Église est invitée, écoutée, et en même temps, ce qu'il faut rappeler, c'est ce qui me tient à cœur, que je dis souvent, c'est qu'elle n'intervient pas, je dirais, comme les autres religions, au titre de justement d'une religion révélée. Elle intervient vraiment en tant que dépositaire d'un patrimoine intellectuel qui a maintenant plus de 2000 ans. Et finalement, elle promeut une éthique qu'on pourrait qualifier de personnaliste, argumentée, raisonnable, compréhensible, qu'on peut partager ou non, mais qui s'oppose finalement frontalement après à d'autres courants philosophiques comme l'utilitarisme, qui est aussi une théorie très argumentée, hein, ou le relativisme. Et finalement, l'Église, en ayant réfléchi énormément à cette question, la dernière instruction romaine, c'est Dignitas Personae, qui a été rendue publique en décembre, et qui balaye vraiment tous les sujets de bioéthique, et partie prenante du dialogue en cours. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous n'intervenez pas au titre d'une religion révélée, mais en gros, fort de 2000 ans de réflexion sur des sujets éthiques. C'est ça. Oui. C'est pas tant le livre qui pilote, c'est en humanité, comme dit Paul VI. Ouais. Et comme l'a dit aussi Mgr Fisichella, en présentant qui est le président de l'Académie Pontificale pour la Vie, en présentant la dernière instruction qui a été approuvée par Benoît XVI, le parcours de réflexion de l'Église sur ces sujets s'illumine à partir de la droite raison, la recta ratio, hein, la droite raison, c'est quelque chose qui s'argumente de manière raisonnable, et on n'a pas besoin, à la limite, d'être, ce que j'ai dit la dernière fois à Monsieur Leonetti, on n'a même pas besoin d'être croyant, et en Italie ou dans certains autres pays, on voit des intellectuels agnostiques s'aligner sur les positions du magistère en matière de respect pour la vie. Pour vous donner un exemple, hein, je force un peu le trait, mais par exemple, le dernier livre de Sylviane Agacinski, qui est une femme de gauche, féministe, philosophe, aurait pu être épouse de Lionel Jospin, par notre évêque, alors que Nadine Morano, qui se présente comme catholique pratiquante et qui elle, est pour les mères porteuses, qui a un discours assez transgressif, qui est d'ailleurs assez mal reçu, même au sein du gouvernement, voilà, est très éloigné. Donc on est vraiment sur des arguments en raison. Alors si je vous suis bien, et là je me tourne vers Marie-Thérèse Armand, c'est pas un débat droite-gauche, religion contre religion, courant de pensée contre courant de pensée. On repart à la source de l'opinion et de l'estime de chacun pour ce que doit être la vie, avec un grand V. D'ailleurs, j'ai reçu le livre de Madame Agacinski.